Catharsis, c'est un film qui est en grande partie autobiographique que j'ai écrit lorsque j'étais en hôpital psychiatrique. Donc ça parle principalement de dépression, d'alcoolisme et de tendance suicidaire. On peut être n'importe qui, ça fait toujours quelque chose lorsqu'on regarde un film, on voit une peinture, on écoute une musique qui parle de nous, qui parle des choses qu'on traverse parce qu'on a l'impression d'être compris, on a l'impression d'être représenté. Moi, j'aimerais que ce film, il représente les personnes qui souffrent de ce genre de pathologie. Simon va se livrer dans ce film. Il parle de quelque chose qui lui est très personnel, qui le touche, voilà, qui le touche personnellement, qui l'a écrit à un moment de sa vie où c'était pas très facile. Et donc, je pense que c'est un film intéressant. Et ça m'a fait plaisir d'avoir eu la chance peut-être de partager ce tournage-là avec lui et le reste de l'équipe. Il faut pas aller voir le film si jamais on se sent pas bien. Vraiment très malsain, très très malsain. Il y a vraiment de très belles choses qui se dégagent. Alexis a pu faire des prises magnifiques. Camille à la caméra a un travail sur la lumière qui est vraiment maîtrisé, qui est génial. Et tout ce qui est plan à Steadicam, tout ça, il a une maîtrise formidable. Simon a des idées de génie. On est accompagné de très bons comédiens. Alexis, qui est très surprenant dans ce personnage, qui est arrivé à nous montrer des choses, qui nous a amené en tout cas vers des choses de laquelle je n'avais jamais vu avant, et qui m'a vraiment étonné, impressionné, et même un petit peu ému. Il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'honnêteté dans sa démarche et dans son scénario. Et voilà, il est très à l'écoute de son équipe technique aussi, c'est super important sur un tournage.